Oh, une tête, il est trop mignon. Marine Le Pen se veut candidate de la ruralité. Au milieu des vaches, elle est venue le dire sur tous les tons. C'est vrai pour les pêcheurs. On fait même si elle garde ses atours de citadine, elle serait la seule à défendre les campagnes. C'est ici la France, c'est pas les succursales de Bruxelles, c'est ici la France. Monsieur Hollande passe sa vie dans les banlieues. Pour lui, il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est les banlieues. Alors on va dans les banlieues, on va dans d'autres banlieues, on va dans d'autres banlieues. Mais la France, c'est pas la banlieue. La France, c'est la campagne d'abord, je vous signale. Hein. Marine Le Pen a donc choisi Brachet, 52% pour le FN en 2007, effet garanti. C'est déjà un honneur. C'est une vraie surprise, honnêtement, c'est une vraie surprise. Je ne pensais pas qu'une personne comme ça viendrait ici. Hein. Tout le monde veut l'entendre, ce qu'elle a à dire. Quoi. Marine Le Pen parle poste, commerce, pouvoir d'achat. Portée, elle ose un pronostic. Nous allons créer encore une fois une immense surprise. Le 22 avril prochain, les sondeurs, les médias, les commentateurs, les politologues. Marine Le Pen en reste convaincue, elle peut encore être au second tour. Elle continuera dans les jours à venir à creuser ce sillon de la ruralité. Un déplacement sur le thème de la sécurité dans les campagnes est prévu en fin de semaine.